Bonjour les anges en vous. Merci. Je fais cette TCI, c'est pour Evelyne Obermeyer, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous m'aider? Cette dame aimerait recevoir un message de sa mémère. Sa mémère se nomme Emma Beaujolin, née le 1/8/1922 et qui est partie le 16/6/2002. Je vous remercie, mon guide. Je vous remercie. Donc, je vais appeler Madame Emma Beaujolin. Je vous appelle par votre petit nom, Madame. Bonjour, Madame. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Petit nom, Madame. Bonjour, Madame. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Comment allez-vous, madame, s'il vous plaît? Comment allez-vous, madame, s'il vous plaît? Comment allez-vous, madame, s'il vous plaît? Est-ce que vous allez bien? Auriez-vous, s'il vous plaît, madame, un message pour votre petite fille, Evelyne? Auriez-vous, s'il vous plaît, madame, un message pour votre petite fille, Evelyne? Auriez-vous, s'il vous plaît, madame, un message pour votre petite fille, Evelyne? Je vous remercie, madame, si vous me répondez. Pouvez-vous me donner votre nom assez fort? Je vous remercie, madame, si vous me répondez. Pouvez-vous me donner votre nom assez fort?
Je vous remercie, madame, si vous me répondez. Pouvez-vous me donner votre nom assez fort? Êtes-vous en paix, s'il vous plaît? Êtes-vous en paix, s'il vous plaît? Êtes-vous en paix, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner un indice pour qu'elle puisse vous reconnaître? Evelyne, vous avez un gros bisou, madame. Merci Maudit. Merci madame, vous pouvez repartir. Au revoir madame. Merci Maudit Joseph. Merci Maudit. Merci madame, vous pouvez repartir. Au revoir madame. Merci Maudit Joseph. Merci Maudit. Merci madame, vous pouvez repartir. Au revoir madame. Merci Maudit Joseph. Bonjour Maudit. Je fais cette TCI pour Katia. Katia qui aimerait recevoir des nouvelles de sa maman. Sa maman qui se nomme Bernadette. Bernadette qui serait partie le 15 mai 2004. C'est pour Katia Bernard Cadet. Merci, Maudit. Bonjour, madame. Je vais vous appeler par votre petit nom, s'il vous plaît. Madame Bernadette. Madame Bernadette, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Bonjour.
Auriez-vous un message pour votre fille? Pouvez-vous, s'il vous plaît, madame, je sais que ce n'est pas facile pour vous, que ça vous prend de l'énergie, parler assez fort, parce que je suis obligée de mettre un bruit de fond. Auriez-vous un message pour votre fille, s'il vous plaît, madame? Auriez-vous un message pour votre fille, s'il vous plaît, madame? Êtes-vous en paix? Êtes-vous bien, s'il vous plaît, madame? Êtes-vous bien, s'il vous plaît, madame? Bonjour à tous, bonjour mes guides. J'ai besoin de votre aide pour mon contact aujourd'hui. Je vous remercie, mon guide. Donc, je fais ce contact pour Patricia Flouva, qui aimerait recevoir un message de son grand-père. Son grand-père se nomme Joseph Alla, né le 11 avril 1906 et qui est parti le 10 août 1999. Merci, mon guide. Merci. Donc, j'aimerais appeler Monsieur Joseph. Je vais lui l'appeler directement par son petit nom. Donc, j'appelle Monsieur Joseph Alla. Bonjour, Monsieur Joseph. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Auriez-vous un message pour Patricia, votre petite fille? Auriez-vous un message pour Patricia, votre petite fille? Je vous remercie, monsieur, si vous me répondez. Pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît, bien fort? Votre nom, bien fort, s'il vous plaît, merci.
Pourquoi êtes-vous parti, s'il vous plaît, monsieur? Pourriez-vous me dire si vous allez bien? Pourriez-vous me dire si vous allez bien? Pourriez-vous me dire si vous allez bien? Monsieur, s'il vous plaît, encore une petite question. C'est ma dernière. Après, je vous laisse repartir. Votre petite fille, Patricia, aimerait savoir le nom que vous lui donniez, son petit nom. L'appelez-vous, s'il vous plaît? Pouvez-vous le dire assez fort? Pouvez-vous le dire assez fort? Pouvez-vous le dire assez fort? Le petit, le petit, le petit, le petit.